dégagement qui cherchait Diawara à trouver Staunton. Allez, c'est reparti. À nouveau, un rush d'Aston Villa. C'est sûr qu'il est sollicité, Ramé. Peut-être encore une fois. Alors, ce sera pour Peter Luxin. Savezic. À nouveau, en relais avec Pavon. Luxin s'appuie sur Pavon. Et Pavon aussi a de la fatigue dans les jambes, ça se ressent. Collymore. Collymore qui efface tous les Bordelais qui se présentent devant lui pour servir Charles. Attention, ce centre devant le but. Milosevic. Le but libérateur pour Aston Villa. Et cette fois-ci, Ramé n'a rien pu faire. Milosevic, celui de cela, pour venir couper ce centre. Jean-Marc, venu de oui, on voit Charles. Là. Mais on voit encore un départ, un ballon perdu. Par les Girondins de Bordeaux, on ne le voit pas là sur l'action. Puis là, on voit Milosevic qui passe devant les défenseurs. Le centre classique, l'attaquant qui passe devant le défenseur. Mais voilà, c'était juste avant cette action. Et là, je crois que c'est lucidité, fatigue en fin de match. Et on voit après Milosevic qui passe devant. Mais c'est pas fini.